Eh, je sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de faire, on est en train d'écrire l'histoire. Vous savez que là, j'ai même pas de mots. Et quand j'ai pas de mots, c'est que c'est de la folie. Je crois qu'on est sur le pire deck cancer du monde. Heureusement qu'on a un deck cancer quand même. Heureusement qu'on a un bon deck cancer, hein. Ça passe quand même. Oh bah quand ça passe pas, tu forces un peu et voilà. J'aime bien. On était déjà haut dans les decks cancer, là, on passe un cap. J'ai fait un live de 28 heures ce week-end et du coup je suis mort et j'avais besoin de me détendre. Et quoi de mieux qu'un bon deck cancer pour se détendre les gars, j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter aujourd'hui un bon deck. Oh, un deck pour vous marrer, voilà, c'est un deck qui vraiment peut vous permettre de passer de bons moments. Le voici, 2.5 élixir, c'est un deck cycle, donc on va essayer. Et je suis en train de vous présenter ça en mode c'est un deck normal. Non, non, c'est pas un deck normal, c'est un deck troll, mais... Je sens que ça peut faire des massacres, on va tester ensemble. Je sens que ce deck va nous permettre de faire des dingueries. Tu peux mettre un petit pronostic en commentaire avant de commencer la vidéo, là ça m'intéresse. Est-ce que tu pronostiques que c'est un bon deck ou que c'est un deck pourri? Moi je pense vraiment qu'on peut faire du sale, l'objectif ça va être de cycle, donc de mettre plein de golems elixir sur la tour adverse. Et je pense que ça peut être très très sale. Avant de commencer, c'est la nouvelle saison, tu peux mettre le code Trapa dans la boutique si t'achètes le pass, enfin même si t'achètes pas le pass. Tu peux mettre le code ça soutient. Et puis voilà, le pass de combat, c'est vrai que c'est... Alors il y a des offres aussi, si t'achètes les offres évidemment, pense au code Trapa. Ça me régalerait les gars, notamment si vous voulez plus de live, 24 heures, n'hésitez pas à soutenir. On est parti. Et je vous le dis, je suis sur chaud. Franchement, le deck, je sais pas trop à quoi m'attendre. Je pense que ça peut vraiment être une dinguerie. Je pense qu'il y a quand même pas mal de counters, mais franchement... Je sens qu'on va mettre des fessées. Je sens qu'on va mettre des fessées dans cette vidéo, je te le dis. Donc, ok, il attaque directement sur un séisme. Là, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on n'a pas non plus une main de fou. J'aimerais bien... Ok, donc là, on part là-dessus. On a agressé à droite. Oh, c'est quoi? On va mettre un rage. Oh, purée, le sort de rage direct. Le sort de rage qui est parti. Oh, c'est... Oh, ça fait mal. Oh, ça fait mal, la tour de droite qui est tombée très vite. Ah ouais, non mais les gars ils sont choqués. Les gars ils sont habitués aux petites parties. Voilà, tu places tes cartes, t'attends. Boum, là on est parti, on a directement agressé. Et encore, j'ai pas mis le golem élixir. Je sais même plus comment il s'appelle ce con. Et j'ai pas mis la guérisseuse. J'ai pas mis ces deux cartes, imaginez. Golem élixir, ah ouais, oh vas-y, viens, séisme dans le vide frérot. Je t'aime, ah mais là je l'aime d'amour. Oh mais ça va être incroyable. Attendez, mais à quel moment il peut défendre? À quel moment ce mec peut-il survivre? À quel moment il est pas mort? Ok, on a la reine. Ah ouais, donc là il passe derrière. Wow, oh le massacre. On va mettre un deuxième golem. On est même pas en x2. On est même pas en x2. On va mettre deux golems. Wow. Oh là là, j'ai peur. Ça y est, j'ai créé une nouvelle méta. Tout le monde va jouer ce truc. Oh le délire. Oh c'est un délire les mecs. Oh c'est un délire. Il y a la guérisseuse qui tape. Oh non. Je suis sous le choc. Bon voilà, premier essai, voilà, ça se passe. Ah, ça se passe plutôt pas mal. Créateur de deck de père en fils. Il reste 3 points de vie. Oh, j'ai envie de le troller. J'ai envie de rester jusqu'à la fin. Attendez, parce que non, on n'a pas de sort. Ah ben non, ça va passer. Oh là 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 là. Oh, j'ai même pas de mots là. Vous savez que là, j'ai même pas de mots. Et quand j'ai pas de mots, c'est que c'est de la folie. Bon, attendez, c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai cru que c'était un deck troll. Je me suis dit, bon, on va se faire éclater. J'ai joué le truc en mode vas-y c'est bien, mais qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il faut vraiment le laisser agresser. Et quand il a agressé, on part de l'autre côté. Là s'il met un géant frérot, je lui envoie tout de l'autre côté. On va cycle normal. Ok, oh tu sais quoi, là il a mis 6 élixirs. Est-ce que ce serait pas le moment d'envoyer la purée? On envoie la purée. Ok, mais oh dommage, l'archer magique, ça il fait pas plaisir. On va mettre le sort de rage. Oh là là, mais regardez le délire. Après dommage, oh non. Il joue les squelettes de mort. On prend quand même la tour, hein. Je dis ça, je dis rien, mais le problème c'est qu'on aura une contre-attaque de fou derrière. Oh non, l'archer magique, j'aime pas. L'archer magique, j'aime pas. Il me bloque. Ça me permet de... Ouais, je peux pas mettre mes chauves-souris comme je veux. Ok, vous savez quoi, on va gérer comme ça. On va le laisser. Ok, on va mettre ça. Après, c'est pas grave, parce qu'honnêtement, les decks cimetières... Ok, bon là, on s'en fout honnêtement. Les decks cimetières, il va avoir du mal à prendre les deux tours. On a survécu, c'était le plus important. Oh, je kiffe son émoticône, je sais pas comment il a eu. On a survécu, et c'est le plus important. On n'a pas pris 3 couronnes directes. Là, on peut... Et tu sais quoi, on va forcer. On va forcer, bébé. Let's go. Il a le squelette, le héros squelette, là. Ok, ça, ça one shot. Ça fait très mal. Ok, il a mis une boule de feu sur le barbare. Je sens qu'on est devant. Je sens qu'on est devant l'élixir, les mecs. Et on peut vraiment faire full victoire sur cette vidéo, c'est comment? Est-ce qu'on peut vraiment faire full victoire? Et là, je pète un plomb. Là, je pèterai un câble.
Là, en fait, s'il met un truc à droite, j'agresse à gauche. Je bourre tout. Le bourrage à gauche. Ok, donc il part effectivement sur un... Le roi squelette. Et on essaie de jouer au sérieux parce que bon, faut pas déconner non plus. Et ouais, la guérisseuse est pas mal aussi. Hein. La guérisseuse a fait 148 dégâts. C'est pas énorme, mais... What? Qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce que tu fais, bébé, là? Qu'est-ce qu'il est en train de me faire? Bon, bah écoutez, hein, pourquoi pas. On part là-dessus. Et vraiment, le truc qui m'embête, c'est vraiment ce truc-là. Ah ouais, il est obligé de mettre un sort de rage. Et je vais t'en mettre partout, mon pote. À gauche, à droite. Oh non, mais comment l'archer... Mais comment il fait pour focus tout? En fait, j'ai pas envie qu'il touche mes chauves-souris. Mes chauves-souris, c'est vraiment mon atout. Et le truc, c'est qu'il faut pas donner trop de value. Là, son archer, il a déjà... Son archer magique, il a déjà eu tellement de value, les gars. Je sais pas si... Bon, je pense que vous avez compris que... Voilà, il a pu en cycle un deuxième. C'est vraiment la carte qui me saoule, je vous l'avais dit. Ok. Ah, oh, furée. On part à droite. On part à droite, hein. Il a tout mis à gauche. Ah, dommage. Je sens qu'on va se faire éclater. En fait, c'est vraiment cet archer magique qui m'éclate. Je peux rien faire. Ah, oh, l'archer magique de merde. Non, il en a 3, le mec. Il en a 3, bébé. Il en a 3. Mais c'est pas possible d'avoir 3 archers magiques. J'ai jamais vu ça. Ok, là, on les éclate. Là, on gratte un peu. Ce qui est énorme, c'est que... Mais en fait, c'est incroyable. T'as juste à mettre ça, plus le sort de rage, c'est terminé. Bon appétit. Oh, la saleté. Oh, la saleté. Je crois qu'on est sur le pire deck cancer du monde. J'ai jamais vu un deck aussi cancer. Ne partage pas cette vidéo à tes amis. Enfin, si, tu peux. Ça me fera des vues, c'est pas mal. C'est terrible. C'est terrible ce qui se passe. 2 victoires en défi. Oh, ok, il est dans le clan. Ici, c'est royal. Tu vas voir ce que c'est qu'une attaque royale, mon pote. Je te le dis. Alors, là, on attend. Alors, les petits conseils que je pourrais vous donner, c'est vraiment d'attendre. Voilà. Oh, il joue la cabane. Mais attendez, mais on a un bon match-up. C'est bon, on a un super match-up, là. Le match-up, c'est est-ce que votre deck est fort contre le sien? Je pense qu'on a un super match-up, mesdames, messieurs. Ce serait bien de pas... Attendez, s'il met pas de dégâts, je gagne. Ok, c'est bon, je gagne. Ok, il sort des prédictions comme ça. Oh, c'est trop. Oh, c'est trop. Ok, esprit de guérison. Mais regardez ce qui arrive, c'est tellement violent. Mais c'est tellement la violence. Oh, putain, regardez. Par contre, je pense que le bébé dragon, il nous allume. Oh, je pense que le bébé dragon, vraiment, il nous allume parce que je peux pas... Ah non, dragon électro. Ah, ça sent pas bon, les mecs. On a rien pour gérer le dragon électro. Oh non, c'est la merde. Ah non, il a un deck de type golem, là, je pense que c'est mort. Ah, c'est horrible. C'est vraiment... Oh non, il joue le même deck que moi, mais non. Mais quel cancer, il joue électro. Il joue... comment il s'appelle? Je sais même plus comment il s'appelle. Mais quel cancer, il joue le golem d'élixir. Quel cancer, ce mec. Le gars, il joue le même deck. Quel cancer. Ouais, voilà, hein, c'est terminé. Mais là, le problème, c'est que le dragon électro, je peux rien faire. Et je vous jure, c'est vrai. Tous les decks que je joue, ils se font counter par le dragon électro. C'est un truc de fou. Mes decks ballons, ils se font counter par le dragon électro. Par contre, j'arrive pas à le jouer, ce truc. Chaque fois, je le mets, il se fait défoncer. Et là, bon, il arrive à en stacker 2. Bah, c'est dommage, hein. C'était une belle game, hein. C'était une belle game. On va quand même essayer de rager, voilà. Est-ce qu'on peut rager? Bah, bon, on a juste nos yeux pour pleurer, quoi. Bah, là, c'est vraiment le match-up. Oh, le match-up de merde. Bon, tant pis. Est-ce qu'on tenterait pas un super défi avec ce deck? Oh, oh, oh. La bonne idée. La bonne idée de merde. Et franchement, il y a moyen de faire des surprises. Il y a moyen de surprendre des pros avec ce truc, je vous le dis. Mais non, mais on a... Mais what? Mais non, mais on n'a pas le bon deck. Il y a un deck pour les défis, un deck pour les super défis. C'est nul, Clash Royale. Pourquoi? Pourquoi à chaque fois faut changer de deck? Tellement relou. Allez bébé, la petite victoire sur le super défi. Ça fait plaisir. Mais on n'oublie pas notre objectif, qui est de mettre des fessées avec ce deck 2.5 élixir électro géant barbare d'élite. Allez, on fait le deck. Mais voilà, je vous le dis, Clash Royale, si vous passez par là, c'est ultra chiant de ne pas pouvoir copier les decks. Là, je suis obligé, regardez, de prendre... Combien de temps je vais mettre? Je vais mettre... Allez, je pense que je vais mettre plus de 30 secondes à le faire. C'est hyper relou. Attendez, 2.4, il y a un truc qui va pas là. Ah oui, j'ai pas mis le sort de rage. J'ai failli oublier le sort de rage, les gars. Oh, oh. La game aurait pas été la même, je te le dis. Sans le sort de rage. Et le sort de rage, c'est vraiment le truc qui fait tout avec les chauves-souris. Mais ça te fait un massacre, mon pote. Ça te fait un massacre. On peut directement commencer le combo. Là, la petite astuce. Ouais, parce que je vous donne des astuces aussi. Ok, donc là, je vous le dis, on va commencer. Oh là là, on va réinspecter. On va réinspecter. On envoie tout. On envoie tout sur le côté. Ok, je joue Dragon de l'Enfer. On va mettre ça. Hop, purée, ça fait mal. Ça fait super mal, ce qu'il m'a mis là. Ok, ça fait très mal, ce que je lui ai mis. Donc ça, on est un peu à égalité. Les squelettes. Non, mais c'est trop... On va remettre ça.
On attaque sur le côté droit. Le problème, c'est que là, vraiment, nous allons l'enfer. Ça va être assez relou. Il counter totalement. Non, mais attends, les chauves-souris, pourquoi elles sont mortes là? Ok, après, on prend la tour. Le gars, il se plaint, il a pris la tour. Ouais, c'est pas terrible. Bon, je fais un 3 étoiles, mais bon, je me fais défoncer. Non, non, on va le gérer. On va le gérer, vous en faites pas. On va le gérer. Wouah, qu'est-ce qu'il nous fait là? Pourquoi il joue ça? Mais qu'est-ce qu'il fout? Oh non, il a mis ses squelettes, j'ai pas de dégâts de zone. J'ai pas de dégâts de zone. J'ai aucun dégât de zone, les frères, par contre. C'est pas une blague. Enfin, si, j'ai l'esprit de feu, mais bon. T'es mal le dégât de zone, quoi. Enfin, j'ai l'électro-esprit. Bon, on défend, mais bon, c'est galère. Je pense qu'on est pas bon contre le golem, hein. Je pense que contre le golem, le deck est pourri parce qu'on a pas de dégâts de zone. Donc, c'est un peu la merde. On va essayer de passer. Ok. Oh là 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 là, le dragon de l'enfer aussi. Impossible à gérer, hein. Dragon de l'enfer, ça retombe souvent dans les decks. Dans les cartes qui sont dures à défendre. C'est souvent le dragon de l'enfer. Je sais pas si vous avez remarqué. On va mettre ça. Ok. Chauve-souris. Ah, il prend énorme de value. Hein. Il prend masse value, le frère. Ok, au moins, on va gérer ça. S'il te plaît, laisse la guérisseuse. Laisse la femme en vie. Ok, nickel. Là, on peut faire très. Ah ouais, si on gère son truc, c'est énorme. Ah, dommage. On était pas loin. Je sais pas trop ce qu'il va faire là. Il aurait dû attendre de jouer le golem, je pense. Je pense qu'il a fait une petite erreur. Bon, après, je pense que, clairement, quand je joue ça, je fais vraiment paniquer l'adversaire. Je pense vraiment que l'adversaire, il panique. Ok, donc là, faut être smart. Faut mettre simplement ça. Allez, bébé! Oh là là, on va l'éclater! On va l'éclater! Il a mis les trois mousquetaires, c'est la fin de la game. Mort dans le film! Mort dans le film, je te le dis! Oh, je vais l'éclater, là. Je vous le dis, là, vraiment, on est chaud. Alors, malheureusement... Oh non, il joue Zappy. Putain, mais pourquoi il joue Zappy? Pourquoi il joue Zappy? Aïe, aïe, aïe. Heureusement qu'on a un deck cancer quand même. Heureusement qu'on a un bon deck cancer, ça passe quand même. Oh bah quand ça passe pas, tu forces un peu et voilà. J'aime bien, j'aime bien. Putain, on est vraiment en train de l'éclater là. Là je pense qu'on est vraiment en train de lui mettre une correction. Attendez, petit sort de rage. Oh, j'ai forcé sa mère. Là j'ai grave forcé, il reste 11 secondes, le game il est trop mousquetaire. Bien joué frérot, on est en super défi. Let's go. Oh c'est n'importe. Franchement, j'en ai vu des decks, mais celui-là, on passe un cap. On passe un cap. On était déjà haut dans les decks cancer, là, on passe un cap. Ah, j'adore. Bon, est-ce qu'on peut faire un petit 3-0? Super défi. Je dis pas non, même si le premier combat, c'était avec un deck cochon un peu cheaté aussi, mais honnêtement, c'est un deck de match-up. Hein. Si t'as des bons match-up, tu peux mettre des misères, mais si tu as un match-up pourri, c'est compliqué. La vie ne sera pas tout le temps facile, le Johnny. Là, on n'a pas d'adversaire. La pire... Personne ne veut jouer contre nous. C'est terrible. On est trop bon. On est trop chaud. Chaud comme le 1er août. Ça pourrait être notre devise avec ce deck. Allez, trop mal adversaire. Parfait. Quelle belle journée pour mettre une branlée avec un 2.5. Quelle belle journée pour mettre des fessées avec ce deck. Allez, on lui dit. Eh, franchement, on assume. On assume. Oh oui, il est parti sur l'autre côté. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Bah, on lui. Eh, franchement, on lui met toute la famille. Hein. La petite sœur, la cousine, la grand-mère, la tata, la sœurette. J'ai déjà dit. Attendez, on va mettre ça. Bah, oh, c'est pas mal ça. Regardez, on va pouvoir défendre tranquillou. On attaque sur l'autre côté. Sur le côté gauche, les barbares d'élite enragés. Pas d'armée squelette, le bébé, pas d'armée squelette, oui. Ok, bah il a le bûcheron, bah ça me va. Oh, comment on le détruit. Oh. Et c'est... Franchement, les mecs, mettez-moi votre avis en commentaire. Parce que je sais que... Attendez, parce que là c'est quand même la merde. Oh ouais, c'est vraiment la merde. Ah, tu sais quoi là, on peut laisser la tour honnêtement. On va juste mettre des petits squelettes. Faire des dégâts sur le sorcier. Là on a une value énorme des squelettes, hein, les gars. Je sais pas si vous avez vu, mais on avait une value absolument énorme. On a l'esprit. Ok, on prend des dégâts, c'est pas grave. Derrière, on a la contre-attaque du seigneur. Oh là 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 là, les deux petites chauves-souris. Elles font très mal. Je pense qu'on peut prendre la tour si on fait pas de la merde. Enfin, c'est pas nous qui décidons, mais... Oh là 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 là, mais c'est ça en fait. C'est le rage et le... C'est le rage et le golem. Là, vraiment... Qu'est-ce qu'il fait à jouer ça? On va mettre juste ça. Il a mis 7, on met 6. Derrière, grosse contre-attaque du seigneur. Ah ouais, c'est beau. Ouais, c'est beau, c'est beau. Oh, la contre-attaque des dieux, mon pote. Oh là 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 là. Et là, on prend la tour, hein. Oh purée, c'est fou. Oh, j'aime la vie. J'aime la vie. Si t'aimes pas la vie, tu joues ce deck et après tu... Oh, on rigole, mais bon. On est quand même en super défi à 3 victoires. Hein. Je dis ça,
Mais pas contre des merdes, quoi. Bonne chance. Yes. J'aime la vie. J'aime la vie, les gars. Je vous le dis. Est-ce qu'on peut prendre la... Eh, franchement, si on... Le sorcier, c'est un bon counter. Hein. Le sorcier nous counter pas mal. Mais bon, vu qu'on est trop fort... Je pense qu'il y a plein de stratégies pour bien jouer ce deck et qu'on connaît que certaines stratégies. Notamment, la stratégie, c'est de forcer avec nos cartes sur le côté droit. Voilà, ça, c'est une bonne strat, frérot. Je t'embrasse. Bisous de moi. Eh, je sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de faire. On est en train d'écrire l'histoire. Épisode numéro 2 avec ce deck, vous êtes chaud? Ah non, 3 victoires. Je crois qu'on était à 4. Non, 3 victoires. C'est une dinguerie. C'est de la boucherie. C'est de la boucherie, les gars. J'ai pas... Alors, franchement, c'est rare que j'ai pas les mots, mais là, je n'ai pas les mots. C'est fou. Je cherche sur les... Oh, les gars, je vais me prendre un karma. Je vais me prendre un karma. Le petit conseil, c'est d'attendre qu'il fasse un move. Et on attaque de l'autre côté. Ça, c'est du bon conseil cancer. Ça, c'est le conseil cancer. Ok, donc là, parfait. Il joue ça. Nickel. Voilà, on a de quoi def. Bon, le problème, c'est que là... C'est quoi, il a mis la bûche? Ok, il a mis la bûche. T'es con, on va tout forcer à droite. Poussez, madame! On pousse tout! Oh, je vois... Je bafouille tellement, je n'ai pas les mots. Je n'ai pas les mots. Ah, merde. Là, c'est un peu con, ce qu'on a fait, quand même. On a mis un sort de rage un peu dans le vide. Ah oui, là, c'est un peu dommage. Après, il a simplement le fût de gobelin pour m'agresser. On n'a pas de bûche. On est quand même en super défi. On n'est pas contre des noobs. Ok, il joue... Oh, putain, il joue cochon. Qu'est-ce qu'il me fait, celui-là? Mais qu'est-ce qu'il fait, celui-là? Il joue un deck encore plus cancer que moi. C'est moi ou joue un deck encore plus cancer que moi, celui-là? Je crois que c'était... Ce qui est bien, c'est qu'on peut faire des contre-attaques, frérot. Regarde, contre-attaque avec 5 élixirs. Oh là là, la contre-attaque a fait mal. Oh, elle fait tellement mal. Elle fait tellement bobo. Elle fait tellement... Franchement, s'il a rien pour gérer les chauves-souris, il est dans la merde. Je vous le garantis, s'il a rien pour gérer les chauves-souris... Ah non, il a le sorcier électrique. Oh, le cancer. Non, je rigole, c'est moi le cancer. J'assume. J'assume l'entièreté de mes actes. J'assume l'entièreté. Non, mais là, on va se faire défoncer parce qu'il joue les cochons. Enfin, il joue le cochon. Je pense qu'il a rien pour gérer les chauves-souris, en vrai. Je pense que le gros avantage, c'est ça. Oh oui, il les a loupés. Et moi, le gros avantage, c'est que je peux faire des putains de contre-attaques comme ça, regardez. Elles sont tellement discrètes. Là, il a le sorcier électro. Ah oui. On prend la tour, là. Regardez, on prend la tour avec que dalle. Mais c'est tellement bien parce que tu prends la... Y a rien. Tu transformes le rien en tour qui est défoncé. C'est incroyable. T'as 3 restes, t'as 2 chauves-souris. Tu te dis, bon, c'est de la merde, mais tu rajoutes un petit sort de rage et ça passe. Ok, là on va mettre les barbares. Eh, franchement, ça tank sévère. Ça tank tellement. Mais ça tank tellement. Regarde les contre-attaques qu'on fait. Alors, dommage, on l'a mis en plein sur son méga. Mais putain, on est vraiment en train de tout détruire avec ça? On est vraiment en train de mettre des branlées avec ça? Bon, je pense que là, on va se faire éclater, les gars. Je pense qu'en x3, en vrai, on va se faire éclater. Ah, c'est vraiment dommage. Je pense qu'il y avait quand même quelque chose. Le problème, c'est que là, on n'a pas trop de dégâts de zone. Ouais, donc là, il faut pousser sur l'autre côté. On connaît la chanson. On connaît la mélodie. On pousse tout! On pousse tout! Poussez, madame! Là, on va mettre ça pour tanker. Oh putain, si ça passe, c'est incroyable. Si ça passe, les gars. Si ça passe, on écrit l'histoire. Putain, j'aurais dû plus def. Mais franchement, j'aurais dû plus def, les gars, mais c'est quand même incroyable. Bon, et franchement, ce qui est ouf, c'est que là, on peut la win. On peut la win, les gars. Allez, une petite dernière. Pour le plaisir. Pour le plaisir des yeux. Mais on peut la win, la dernière. Tu vois, là, on était à deux doigts, mais on s'en fout, on la perd, mais... On est à deux doigts de la win, les gars, contre un mec qui joue... Il jouait quoi? Il joue méga chevalier, il joue le roi squelette, la tante, la grand-mère. Incroyable. Si vous voulez un autre épisode avec ce deck, dites-le moi, ou un autre... Voilà, franchement, je pense que c'est un deck assez unique. On trouve pas d'adversaire, c'est assez pénible, on va essayer de relancer, voilà. C'est un deck assez unique, et les adversaires sont très surpris, je pense, pour être premier degré. Et je pense qu'il y a moyen de faire très mal. Regardez, l'esprit de feu qui va souvent provoquer une défense à 3 ou 4 d'élixir. Ok, ou à 2, c'est bien quand même. 2 d'élixir alors qu'on a mis 0, c'est énorme. Enfin, alors qu'on a mis 1, c'est bien. Ok, là, ok, on va partir là-dessus. Les barbares d'élite en def. En défense, c'est bien ça. Ça, c'est bien.
Ça, j'aime bien. Nickel. Ok, donc là, on va juste... Alors, je sais pas trop ce qu'on va faire. Ok, esprit de feu. Esprit de feu et golem. Et, pardon. Canon. Putain, le gars, il a dit chauve-souris au lieu de dire... J'ai dit vraiment de la merde, là. J'ai dit... Bon, bref. Essayons de me concentrer, putain. Bon. Là, il défend bien. Putain, il a le... Ah, il a le vrai deck relou avec les cochons. Ça, c'est le vrai deck relou. On va voir si on peut l'éclater. Franchement, je pense que si armé des cochons... Ok, il y a moyen de faire un truc. Il y a moyen vraiment de faire un truc, les gars. Avec les barbares d'élite derrière. Oh, purée, si on arrive à passer... Si on arrive à passer, c'est de la boucherie. Si on arrive à battre le meilleur deck du monde en super défi, il a la bûche. Hein. Oh, on a forcé de ouf. Putain. Il a forcément... Ah non, il a le colis stratégique. Il a la bûche. Putain, il a la bûche plus le colis. Quel enfer. Mais quel enfer, il a la bûche plus le colis, les gars. Oh, il a deux dés. Il a les meilleurs sorts du jeu, en fait. J'ai envie de forcer parce que franchement j'ai envie de le mettre dans la merde. Là en fait sa reine elle sert à strictement à rien. Il peut la mettre là. Elle est trop lente à se mettre en œuvre. Le truc c'est... Ouais tu vois il met la reine mais c'est trop lent. C'est trop lent frérot. Bon après ouais elle est invisible. Putain j'aurais dû mettre le rage là. Putain j'aurais dû mettre le rage les gars. J'aurais dû mettre le rage. Oh je mets le rage et win. Ça passe. Quel scandale. Mais quel scandale. Mais quel scandale. Mais c'est quoi ce scandale? Putain, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots, vraiment, les mecs. Bon. Nouvelle méta. Merci, de rien. Désolé si vous faites péter par ce deck. C'était un plaisir, les amis. J'espère que ça vous a plu. C'était la folie. C'était la folie. On a passé des moments incroyables ensemble. J'ai kiffé. Si ça vous a plu, le pouce bleu. Je suis encore sous le choc, pour être honnête, je pensais vraiment pas que ça allait être aussi fort. Tu mets ton pouce bleu, tu mets le code Trapa si franchement si la vidéo t'a plu, pense au code Trapa, s'il te plaît, juste ça. Et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo, ciao les amis. Et de rien pour le deck, hein. C'est moi qui régale.